Donc, il est exactement 14h30 et je vais passer la parole à Pascal Gache qui a une demi-heure pour nous présenter les protocoles de soins et la place des nouveaux traitements annoncés. On y va. Je suis agréablement surpris. Je pensais qu'après la matinée monumentale que nous avons passée, plus le repas, plus la presse, plus la télévision, plus la radio, nous serions plus que quelques survivants. Mais bravo à vous tous qui êtes restés pour cette après-midi baclofène que j'aimerais dédier à Olivia Meisen pour toutes les belles choses qu'il nous a fait découvrir et finalement aussi cet après-midi qui commence, j'allais dire enfin les choses sérieuses. Peut-être me présenter brièvement puisque je suis le seul évadé fiscal de la journée. Je m'appelle Pascal Gache, je suis médecin à Genève en Suisse. J'ai plusieurs comptes en Suisse d'ailleurs, mais ils sont déclarés. La France me sert de paradis fiscal, les honoraires énormes que je vais toucher aujourd'hui. Voilà, alors il faut dire avec qui on est maqué, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mangé à tous les râteliers, ou presque. Et puis pour la petite histoire, l'année dernière, laboratoire Lundbeck, c'est le laboratoire qui va commercialiser le Célincro, donc le Nalmefen, dont je dirai deux mots tout à l'heure. Pour la petite histoire, l'année dernière, j'ai reçu une invitation au Congrès européen de psychiatrie, en décembre 2011. Le professeur Deppen de Lausanne nous a proposé votre nom pour vous inviter au Congrès européen de psychiatrie, c'est tout. Puis moi, je ne suis pas psychiatre, je suis un interniste. Et puis je me demandais bien pourquoi on m'invitait là, parce que le laboratoire Lundbeck, pour moi, c'est citalopram et escitalopram. Cipralex et séropram. Et puis alors, j'ai accepté, comme je suis comme quelqu'un de relativement facile, facilement achetable. Et donc, je suis allé à ce congrès. Et puis, j'étais très étonné, parce que dans l'avion qui nous emmenait de Zurich, puisqu'on a fait une escale à Zurich, à Prague, il n'y avait que des addictologues dans l'avion. Je me suis dit, mais c'est curieux, pour un congrès de psychiatrie, ils n'ont invité que des addictologues. Et c'est en arrivant à Prague que j'ai su le fin mot de l'histoire, c'était qu'il y avait la présentation des études sur Nalmefen, et c'est pour ça que j'avais été sollicité. Voilà. Et à part ça, la loi suisse nous oblige à payer un tiers du prix quand les laboratoires nous invitent. Comme quoi, finalement, le paradis helvète ne l'est pas tant que ça. Voilà. Et je voulais aussi dire que je prescris du baclofène depuis maintenant 7 ans, exactement 7 ans, et que les propos que je vais tenir reflètent mon expérience, qui a eu des périodes d'intensité variable. J'ai commencé par proposer le baclofène, puisque je l'ai prescrit avant que Olivier ne sorte son livre, et puis après, évidemment, après la publication du livre, j'ai répondu à des demandes. J'aime bien montrer cette diapositive parce qu'elle vient de quelqu'un qui est très connu dans la... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y a beaucoup de diapositives que j'ai déjà montrées. Je vous prie de m'en excuser pour ceux qui les ont déjà vues. Une diapositive qui a été faite par Philippe Battel, qu'il est inutile de présenter ici. Pour dire que le devenir des alcoolodépendants, c'est la règle grossière des trois tiers, avec 20% d'amélioration d'abstinence, pas d'amélioration pour 30-40, et puis quelque chose de plus chaotique pour encore un autre tiers. Et puis surtout, le chiffre intéressant, c'est le chiffre qui est en bas, c'est le taux de rémission qui est de 4% par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 100 malades alcooliques qui se soignent, qui se soigneraient en 2013, il y en a seulement 4 qui vont disparaître de la cohorte des soins, de la maladie, de la rechute, pour toujours. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on extrait 4 patients tous les ans d'une cohorte de sang. Inutile de vous dire qu'il y a de la place pour améliorer les choses sur le long terme. Alors, la vie des médicaments, la vie des médicaments qui ont été proposés dans l'alcoolodépendance est courte et longue. Vous voyez, la liste des médicaments qui sont reconnus pour ça, elle est courte. La camprosate, la otale, naltrexone, le revia, disulfiram, l'espéral. Pour la petite histoire, l'espéral, c'est joli, hein, c'est l'espoir des alcooliques. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres molécules testées. Voilà, donc, je ne dirai rien des trois premiers.
seulement, je parlerai du baclofène, de mon expérience pratique, et puis je dirai deux mots, puisqu'on me l'a demandé, du nalmefène et de l'oxybate de sodium, qui sont des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés, mais dont on va entendre parler, et dont on a déjà un peu entendu parler. La plupart de mes propos sont rassemblés dans un guide que vous trouvez maintenant sur Internet. On a essayé de le protéger un certain temps sur le site de Aube, mais vous savez que rien ne résiste à Internet. Et donc maintenant, si vous tapez « guide de prescription du baclofène », je m'adresse aux médecins qui sont dans la salle, vous tapez « guide de prescription du baclofène », vous aurez cette version en ligne. Elle est, je crois, relativement utile si le cœur vous dit de prescrire du baclofène. Je rappelle l'hypothèse d'Olivier Maison qui est au point de départ de toute cette histoire. Si on supprime les symptômes de l'addiction, on supprime l'addiction, puisque c'est une maladie qui s'exprime avant tout par ses symptômes, à la différence de la pneumopathie qui s'exprime par la fièvre, la toux, et que si on supprime la toux ou la fièvre dans la pneumopathie, on ne supprime pas la pneumopathie, enfin la pneumonie, tandis que dans l'addiction, si on supprime la préoccupation, le craving, la perte de contrôle, on va supprimer la maladie. C'est ce que je viens de dire. Et puis, à ce jour... Chez le rat, ça a été bien démontré, la seule molécule qui a supprimé le craving de façon persistante et régulière a été le baclofène. Les autres molécules ont un effet sur le craving, mais seulement de diminution. Voilà, j'aimais bien cette illustration du craving. Des fois, ça vous prend. Les patients, ils disent que c'est un peu comme ça, hein, plutôt mourir que de ne pas boire. Voilà. Un patient me disait, les gens voient quand on boit, mais ils ne voient pas quand on a soif. Voilà. Le but du traitement... c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Parce que je crois, et je me mets dans le lot, je fais l'alcoolologie depuis un certain nombre d'années, je crois qu'au fond, même si on s'en défendait, que les alcooliques aient à faire des efforts pour se sortir de là, c'était quand même pas si mal. Qu'il y ait quand même des efforts à faire, vous voyez ? Alors... avec des nuances, plus ou moins de nuances. On en était, d'ailleurs, il y avait l'expression alcoolique repenti, mais quand même, il y avait quelque chose de ça. Alors, l'introduction du baclofène, c'est la fin de la morale. C'est le début de l'idée qu'on pourrait trouver une solution à cette maladie sans effort. Enfin, que les patients ne soient pas obligés de déployer des efforts. Je dis toujours que arrêter de boire quand on est dépendant, c'est demander à un marathonien de sprinter à la vitesse de Usain Bolt pendant 42 kilomètres. Il y en a tellement peu qui y arrivent. Voilà. C'est pour ça aussi. C'est trop dur, je crois. Moi qui ai beaucoup milité pour l'abstinence, qui trouve que ça reste une bonne idée dans un certain nombre de cas, si on n'aide pas les gens, on ne va pas y arriver. Donc, évidemment, s'il n'y a pas d'effort, on peut prolonger l'effort. Voilà. Il y a toujours un petit effort, il faut au moins avaler les médicaments. Mais si y a, et c'est ça, je crois, qu'il faut bien comprendre dans l'idée qu'il faut vendre aux patients, c'est qu'on va leur donner l'idée qu'ils vont pouvoir prolonger l'idée sans faire autant d'efforts qu'avant, donc ça sera plus tenable. Voilà. Ce ne sera pas le développement durable, mais la réduction ou l'arrêt, l'abstinence durable. Voilà. C'est ça que je crois que le baclofène peut aider. Et puis après, il y a tout le corollaire, évidemment, qui va avec, c'est que si les gens ne sont plus sous l'influence de l'alcool, ils peuvent penser leur vie, redécider, et puis et finalement être heureux dans leur vie, ce qui leur manque cruellement quand ils boivent. Alors, on s'adresse avant tout aux alcoolodépendants. Là, il y a des discussions sur les buveurs excessifs, etc. Je sais qu'Olivier dit, mais s'il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'effet du baclofène. Voilà. Ça, c'est évidemment pas tranché. Moi, je prescris à des patients qui sont alcoolodépendants. D'ailleurs, c'est plutôt ceux-là qui sont demandeurs. Et moi, j'ai beaucoup prescrit à des patients qui avaient échoué partout. Et j'ai tellement entendu, vous êtes ma dernière chance. Enfin, sous-entendu, pas moi, mais le baclofène. Alors, on n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Moi, j'ai aussi prescrit à des patients naïfs. Que j'appelle naïfs, c'est-à-dire des patients qui n'ont jamais été chercher de l'aide jusque-là. Et puis, aux autres addictions, ben, on voit arriver... la toute première observation, d'ailleurs, c'est un paraplégique cocaïnomane qui avait été relaté dans le New York Times dans les années 2000, qui avait spontanément vu sa consommation de cocaïne baisser en prenant du baclofène. Donc, il y a sans doute une idée là autour, puisque ça marche chez le rat. Mais on ne sait pas très bien. Il y a tout un mouvement autour des troubles du comportement alimentaire. Moi, j'ai des résultats variables. J'ai quelques patientes qui sont venues me voir spécifiquement pour ça. Voilà. En tout cas, l'histoire commence. Voilà. On ouvre les premiers chapitres. Alors, les contre-indications sont relatives à cette prescription. On en a vu ce matin dans les études. C'est compliqué, les contre-indications. Hein. Voilà. C'est compliqué. Il faut être prudent, je crois, quand même.
Il faut bien savoir où on met les pieds, mais il y a toute une liste. Voilà. Alors après, moi, j'ai represcrit du baclofène à des gens qui avaient des troubles bipolaires. J'ai fait ça en accord avec le psychiatre qui le soignait. Mais de toute façon, il y a des moments où on est tellement désemparé, la maladie est tellement grave que même, j'allais dire, les psychiatres qui suivent les patients bipolaires qui sont dans des situations difficiles disent, de toute façon, ça va tellement mal que pourquoi pas essayer. Alors, il y a des questions autour... maintenant, les patients sous méthadone, on a un peu plus d'expérience. Et on voit d'ailleurs des choses intéressantes avec le baclofène. Là, on baisse la méthadone. Voilà, comme ça, des gens qui disent, je crois que je peux baisser la méthadone. J'avais regardé... j'ai plusieurs patients VIH qui sont sous trithérapie, ça se passe pas trop mal. Voilà, il y a des médicaments aussi, je disais à Philippe Jury tout à l'heure, sous le mode d'une anecdote d'une de mes patientes qui m'a dit, moi quand j'ai arrêté le Cipralex, eh ben le baclofène s'est mis à marcher. Voilà. Alors Cipralex c'est aussi Lundbeck, ça va pas aller. Je sais pas si c'est vrai, mais peut-être qu'on devrait imaginez qu'il y a des interactions fâcheuses, peut-être des interactions qui obligent à augmenter la dose de baclofène, plus qu'il ne faudrait, ou peut-être des médicaments qui vont gêner l'efficacité du baclofène, j'en sais rien, peut-être faudrait regarder ça, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Et puis moi j'ai eu quand même des ennuis, on a parlé tout à l'heure ce matin des patients âgés, moi j'ai quand même, je trouve que les patients de plus de 70 ans, j'allais dire 70 ans en français, 70 ans c'est 90 moins 20, voilà. Je me demandais s'il ne faut pas être vraiment très très prudent avec les patients âgés. J'ai quand même, je vous montrerai, mais j'ai fait une diapo d'effets indésirables graves. J'ai quand même sur 3 ou 4 syndromes confusionnels, 2 qui sont des patients de plus que 70 ans. Donc voilà, c'est des questions, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses. Je vous rends attentif à ça. Alors, bien sûr, on a mis au goût du jour le protocole de traitement. J'ai appris que la loi suisse, normalement, oblige... qu'il y ait 24 heures entre le moment où on montre le consentement et le moment où le patient le signe, et que normalement, on devrait faire signer les patients, ils ne devraient pas prendre le traitement le jour même. Enfin bon, voilà, c'est la loi Helvète, je ne sais pas ce que dit la loi française à ce sujet-là, mais en tout cas, moi, tous mes patients qui prennent du baclofène signent un consentement de traitement dans lequel je leur explique, évidemment, au fur et à mesure des ennuis que j'ai, j'allonge le consentement. Il faut leur expliquer aussi que, bon, ça a été dit ce matin, ça va peut-être disparaître, que c'est une prescription hors AMM. Et puis, je leur explique bien le principe de la dose, de la dose théorique qui est incalculable à l'avance et qu'il va falloir qu'ils montent la dose jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne dose. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, quelle est la dose théorique au début, quand on a commencé avec Olivier en mai 2006... Alors c'était facile, les gens faisaient 60 kilos, multiplié par 3, ça faisait 180 mg. Puis si c'était pas efficace à 180, je montais encore un peu, 200. Puis après je serrais les fesses, puis j'arrêtais, je disais ça marche pas. Et puis après, ben, avec l'expérience, on est monté, et puis voilà. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que c'est pas lié au poids. C'est pas comme chez le rat. Ça c'est la première différence, c'est pas comme chez le rat. Et donc il y a j'ai prescrit à une patiente de 46 kilos... 270 mg, c'est-à-dire presque 6 mg kilo. Donc voilà, on ne peut pas se fier au poids pour décider de la dose, ça c'est pas vrai. Renaud pense qu'il y a un lien avec la consommation d'alcool moyenne bu dans les mois ou les années qui ont précédé, peut-être. Est-ce qu'il y a des interactions avec les benzodiazépines qui font qu'il faut augmenter la dose? On ne sait pas, là on est vraiment dans quelque chose de très flou et que j'espère l'avenir nous aidera à démêler, je ne sais pas, voilà. Donc il faut chercher en fonction de la réponse. Donc moi, je passe beaucoup de temps à expliquer aux patients quelles sont leurs préoccupations, comment ils savent qu'ils ont envie de boire, etc., pour que le jour où ils n'ont plus ça, ils puissent faire la différence. Parce que les gens disent, bah, alors si les gens boivent pas avec baclofène, comment on sait que ça marche? Ben, ça marche parce qu'ils ont une disparition quasi complète de la préoccupation. Alors, s'il y a des alcooliques dans la salle, ou même des fumeurs, probablement plus de probabilité, ils vont savoir ce que c'est que la préoccupation. Les fumeurs savent, ils ont en général une sorte d'empan, les fumeurs, de 1h30, 2h, puis à partir de 2h, ils commencent d'être un peu agités. Puis au bout de 2h30, ils ont l'idée de fumer qui rentre dans leur cerveau, puis au bout de 3h, ils ne pensent qu'à ça. Eh bien, les alcooliques, ils vivent à peu près la même chose. Ils ont une augmentation, une irruption, une intrusion de la pensée à boire qui grandit. Et quand ils n'ont plus ça, ils savent que ça marche. Et ils racontent qu'ils ont ça. Il raconte que, un peu comme Olivier, il y a mille histoires qu'on pourrait décrire de gens qui vous disent « Ah mais, ça y est, je crois que je n'y pense plus. » Voilà.
Alors ça, c'est ce qu'on appelait le craving, la préoccupation a priori, c'est avant de boire. Et puis, l'autre façon de voir, c'est que quand ils se mettent à boire, au lieu de boire 10, 15, 20 verres, ils boivent 1, 2. Vraiment, l'histoire que tous les prescripteurs de baclofène racontent, c'est l'histoire où les patients nous ont dit un jour, voyez, je me suis servi un verre, et puis un deuxième, et puis j'ai fait autre chose, et je suis revenu à la cuisine et j'ai vu que mon verre n'était pas fini. Et ça, je peux vous dire que dans les 10 dernières années, ça n'est jamais arrivé. Les verres, ils étaient ou vides parce que je ne buvais plus, ou encore vides parce que je les avais bu. Voilà, donc c'est un peu ça que les gens racontent. Alors il faut bien leur raconter ça. Et puis moi, je leur donne une feuille sur laquelle ils écrivent un peu tout ça. Et puis on cherche la dose, quoi. Voilà, on cherche la dose. Alors il y a des fausses doses, hein, évidemment. La dose à 30 mg, ça, vous pouvez être sûr que c'est placebo dans 95% des cas. Il y a toujours l'effet du début du traitement. Déjà, ils vont acheter la boîte, ils ont moins envie de boire. Et là, les premiers jours, on a quelque chose de miraculeux qui disparaît. La maladie revient, hein, il n'y a pas de miracle. Et puis quand elle redisparaît, alors ça, c'est formidable. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est quand elle disparaît, qu'ils arrêtent le médicament, qu'ils reboivent, qu'ils reprennent le médicament, qu'ils retrouvent la dose et qu'ils arrêtent. Alors là, on se dit, ça, c'est plus placebo. Il y a quelque chose... Voilà, on est dans la neurochimie, probablement. Alors, tout ça pour dire que c'est compliqué. Vous voyez, ici, c'est un papier qui a 20 ans. Vous voyez les doses, là, que les gens avaient en milligrammes par kilo. Voilà, c'est ce qu'on trouvait c'est ce qu'ils avaient en milligrammes par kilo, en fonction de la dose qu'ils prenaient, vous voyez. Et puis, ça, c'est ce qu'on trouvait dans l'évaluation de leur plasma. Alors, tout ça pour dire qu'on est, on est dans des schémas d'absorption du baclofène quand même assez curieux. Vous voyez, par exemple, ça c'est un pic après une seule dose. Vous voyez, les gens ont reçu tous la même dose. Et on a, alors vous voyez ici, là, on est à peu près tous pareils, mais avec des décalages de pics. Hein, et puis là, celui-là, on ne sait pas très bien pourquoi. Voilà, c'est beaucoup plus. Et la même chose chez des gens qui ont des doses stables. Eh bien, malgré ça, vous voyez, dans le plasma, ça bouge, quoi. Voilà. Donc on ne sait pas très bien comment ça évolue dans le plasma des gens. Il y a très nettement des problèmes de pharmacogénétique, et ce qui fait qu'on ne sait pas très bien quand on donne 60, 80, 200, 300, 400 mg. Peut-être que les gens, ils sont des paniers percés à 400 mg. Il y en a 50 qui sont efficaces, et d'autres, ils ont des tout petits trous, et avec 40, ils en ont assez. Donc on ne sait pas. On ne sait pas, là. Et là, vraiment, ben voilà. On ne sait pas. Alors, jusqu'où aller? Il n'y a pas de limitation officielle, c'est comme la méthadone. C'est fonction de l'efficacité perçue par le patient. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Hein. Ce n'est pas toujours simple de dire. Il y a des cas très simples, il y a des cas pas simples. Voilà. C'est fonction de la tolérance. Alors là, évidemment, tous ceux qui ont prescrit du baclofène savent qu'il y a des effets indésirables. Et puis là, c'est aussi la tolérance individuelle. Il y a des gens qui sont durs au mal, comme on disait chez moi. Et puis il y en a, voilà, ils ont... une petite crampe abdominale, ils ont un tout petit peu de somnolence, et puis ils disent le médicament, je vais arrêter de le prendre. Alors là, on voit bien que la motivation intrinsèque mentionnée par Philippe Jory est très importante pour la capacité à endurer les effets indésirables. Mais je raconte cette histoire à tout le monde, mais je vais encore la raconter parce qu'elle m'est arrivée récemment. Un de mes patients qui, ben voilà, il buvait 3 bouteilles de vin par jour la journée au travail. Chez lui, il n'a pas le droit de boire, mais au travail, ils l'ont mis dans un placard au CERN, vous voyez. Un placard radioactif. Alors, il boit la journée 3 bouteilles par jour, donc 220 grammes d'alcool par jour. Et il est monté. Puis un jour, il m'envoie un mail. Il y avait une photo. Il m'a dit, je vais vous envoyer la photo du premier verre que j'ai pas bu. Voilà. Et une semaine après, donc c'était 420 mg. Voilà. Et une semaine après, il a été hospitalisé pour un syndrome confusionnel, 64 ans. Et donc j'étais un peu dans mes petits souliers, je reçois un téléphone de l'interne, après j'ai un message de ma secrétaire me disant que ce patient veut être rappelé, donc je le rappelle en me disant je m'attendais au pire, je tombe sur sa femme qui me dit « Ah ben là il s'est absenté, mais il m'a dit de vous dire qu'il voulait pas du tout arrêter le traitement, voilà. Hein. » Hospitalisé, syndrome confusionnel, 48 heures de soins intensifs, enfin voilà. Bon, c'est curieux cette relation que les gens avec ce médicament, qui les rend malades pour un certain nombre, et ils vont continuer le médicament, ils demandent à le faire. Alors la dose, c'est 0,1 à 6 mg par kilo par jour, voilà. Et dans l'étude de Jory et l'étude de Bourpère, c'est autour de 150 mg, on peut garder ça comme,
comme idée. Et puis surtout, ce qu'a montré Renaud de Bourperre ce matin, c'est que 85% des patients ont besoin de plus que 80 mg, qui était la dose actuelle de l'AMM. Donc il ne faut pas s'attendre à des effets avant 80 mg. Ouais, tiens, la voilà. Voilà. Donc là, 85, vous voyez, la majorité des gens, là, ici, sont au-dessus de 80 et au-dessus. Donc il faut s'attendre à des grandes doses pour que ça fonctionne. Hein. Voilà, il faut s'y attendre. Alors maintenant, sur des choses très pratiques, il faut démarrer le traitement lentement. On est tous d'accord là-dessus. Si on démarre trop vite, on s'expose à plus d'effets indésirables. Voilà. Donc il faut y aller lentement. Alors, j'allais dire en Helvétie, ça semble aller de soi. Mais en tout cas, il faut vraiment prendre son temps pour monter. Donc on commence 10, 20 mg. Et puis on augmente. Alors, moi j'augmente tous les 5 jours maintenant. 10 mg tous les 5 jours. Voilà. Je commence, donc voilà. Alors ça prend du temps. Hein, pour arriver à 200 mg, il faut 71 jours. Si on fait tous les 5 jours. Enfin, à partir du 71e, on est à 200 mg. 71 pour les Suisses dans la salle. Voilà. Mais c'est toujours beaucoup plus que ça. Parce que c'est très rare les gens qui montent comme ça et puis qui y arrivent. Souvent, on s'arrête. Il y a un palier à 90 mg, il y a un palier à 120, parce que, docteur, je ne pouvais pas monter, ça, j'étais trop embêté, ou bien je devais faire un long voyage en autoroute, alors je suis retombé à 30 mg pendant les 2 jours du voyage, puis je suis... Voilà, tout ça, il y a toutes sortes d'histoires, les gens n'arrêtent pas de vivre pendant cette période. Alors, il faut allonger la durée des paliers s'il y a besoin, reculer s'il y a besoin, enfin, il faut dire aux gens qu'ils peuvent être autonomes. Voilà, c'est pas si mal, après tout, hein. Et puis, voilà, donc là j'ai mis 3 jours, mais vous voyez, après j'ai mis des paliers de 4, 5, 6, 7 jours. Il faut vraiment vous sentir libre de ça. Hein. Moi je fais 4 prises par jour, mais je suis en train d'essayer 5. Il me semble que c'est mieux. Je ne sais plus qui c'est qui avait trouvé les heures buvables. J'aimais beaucoup cette expression-là. Il faut privilégier les heures buvables. Voilà. Parce que le baclofène a une action de 3-4 heures à peu près, ça dure. Ça met entre 1 heure et 1 heure et demie pour arriver à son maximum, mais ça peut être 3 heures chez certaines personnes. Et puis ça dure 3-4 heures. Donc je fais rarement commencer avant 9h30, 10h. Donc on fait 10, 13, 16, 19. Ou on peut faire 8, 11, 14, 16, 19. Vous voyez, il faut s'adapter à la vie des gens. Alors j'ai, par exemple, un monsieur qui est cuisinier, alors des gens qui dorment la nuit. Donc voilà, il faut être très souple. Puis il ne faut pas se presser. Voilà. On a trouvé ça sur le net. Il a fait ce monsieur là qui s'appelle Nightwitch, là, il est formidable. Il a fait un tableau Excel et il a matérialisé ça. Vous voyez, ça c'est des prises de 50 mg à 10h, 13h, 10h, 13h, 16h, 19h. Là ça donne ceci. Alors ça c'est le schéma à 4 fois 50. Mais évidemment, si les gens boivent surtout le soir, on peut leur dire de faire autrement. Alors on peut leur dire aussi à 200 mg, mais là c'est 20, 20, 80, 80. Voilà. Je vous montre ça pour vous dire qu'il faut être souple dans l'idée des prescriptions. Voilà. Il faut vraiment sortir du matin, midi et soir. Les comprimés de baclofène pris à 23 heures pour aller au lit, ça ne sert pas à grand-chose. Ça fait baisser moins vite la courbe, mais à l'exception de quelques patients, la nuit, les gens ne boivent pas, ou peu. Enfin, une fois qu'ils sont couchés, en général, c'est une minorité qui se relève pour boire. Il y en a, mais c'est une minorité. Donc il faut plutôt privilégier les heures où les gens sont debout. Voilà par exemple un tableau voilà, que je donne à mes patients. Alors je ne mets plus la dose théorique, je ne mets plus en fait. Voilà les horaires, par exemple, 9h30, 12h30, 15h30, 18h. On peut un tout petit peu serrer la dose, vous voyez, là en fin d'après-midi, c'est l'heure où les bébés pleurent et où les alcooliques boivent. Voilà. Et puis voilà, vous voyez, une montée à 200 mg en 58 jours. Mais avec des paliers plus courts au début et plus longs à la fin, des paliers de 3, 4, 5 jours. Voilà. Alors, ça c'est une diapo que j'ai inventée, elle est fausse, c'est juste une illustration. Vous voyez en rouge c'est le craving, en noir c'est la consommation déclarée d'alcool, et puis en gris c'est le baclofène. Alors, ne vous fiez pas aux chiffres, c'est juste l'idée, vous voyez. Vous montez la dose de baclofène, il ne se passe rien, la consommation d'alcool reste relativement élevée, le craving ne change pas. Le craving ne change pas, la dose de baclofène monte, et puis d'un seul coup, la consommation baisse, et le craving avec. 4 minutes, je vais faire de mon mieux. Voilà, et donc c'est ce que j'appelle l'effet interrupteur.
Ça, c'est la majorité des patients. Il y a des patients qui ont des effets progressifs du baclofène, mais la majorité, ils ont plutôt ça. C'est pour ça que quand les gens sont à 120, 130 et qu'ils disent « ça marche pas », eh bien, ça veut rien dire. C'est parce qu'ils n'ont pas la dose. Il ne faut pas s'attendre à une amélioration progressive, une diminution progressive. Vous voyez, la concentration, la consommation d'alcool, elle ne bouge pas pendant des jours, des semaines. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, les effets indésirables, on en a longuement parlé. Moi, j'ai des patients qui ont des effets indésirables. J'ai des patients qui arrêtent à cause des effets indésirables. Et je dis que j'aimerais beaucoup que l'industrie trouve un médicament qui a 98% des effets positifs du baclofène et seulement 10% de ses effets indésirables. Peut-être c'est l'avenir. Voilà, il y a tout ça. Moi, j'ai fait une diapo, parce que ça, on a déjà vu, avec les miens d'effets indésirables que j'ai appelés graves. J'en ai 14 sur les 200 derniers patients vus à ma consultation. Donc c'est un recul qui va de 1 mois à 3 ans et demi. À peu près de novembre 2009 jusqu'au 1er mai 2013. Et donc, j'ai 4 patients qui sont sous baclofène qui sont décédés. Deux qui se sont suicidés, dont un alors qu'il est hospitalisé dans une clinique. C'était un de mes patients, il n'était pas sous ma responsabilité, mais il est quand même, il a arrêté de boire la veille, alors que tous les jours il s'est alcoolisé dans sa clinique. Un jour il a dit « ça y est, j'ai plus envie de boire », il a demandé une sortie, il s'est allé se mettre sous un train. Une autre qui s'est pendue, et deux décès inexpliqués, deux patients qu'on a retrouvés morts dans leur lit, enfin un au pied des toilettes et l'autre dans son lit. Pas d'autopsie, on ne sait pas. Et puis j'ai quand même eu des dépressions sévères, 5 syndromes confusionnels, une crise convulsive, 2 accidents de voiture sans gravité mais qui auraient pu être graves, un patient sur l'autoroute et un autre qui a eu un accrochage mais sans dommage. Voilà, alors c'est 14 sur 200, voilà, c'est 7% d'effets indésirables graves dans ma cohorte à moi. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont réversibles. La bonne nouvelle, c'est qu'on déplore aucun mort. Et que dans tous les syndromes graves que j'ai eus, les effets indésirables graves que j'ai eus, ils ont tous régressé à 100%, sauf 2 patientes avec des acouphènes qui ont développé des acouphènes qui n'ont pas régressé. Est-ce que c'est le baclofène ou pas? J'en sais rien, mais voilà. Alors il faut favoriser l'observance, bien sûr, les horaires, les effets indésirables. Je pense que le groupe des... On s'appelle prescripteur canal historique, les vieux. On devrait écrire un petit guide, d'ailleurs à l'image de celui qui a été fait sur les effets indésirables. Moi, j'anime un groupe depuis le mois de janvier sur le baclofène. Je pensais que j'aurais 40 personnes à chaque. Il y a 5-6 patients qui viennent. Je ne sais pas pourquoi, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Voilà. Et puis, je pense que c'est important que le prescripteur soit à proximité. Voilà. C'est toujours formidable quand les gens font 500 km pour nous voir, mais ce n'est pas une bonne idée. Combien de temps, j'en sais rien, à vie temporairement, j'ai bien sûr ma théorie. Moi, j'ai dit aux gens, si vous arrêtez de boire définitivement, si c'est votre intention, prenez le baclofène 2 ans, arrêtez, c'est parfaitement empirique. Si vous persistez dans l'alcool, prenez le baclofène toute votre vie, parce que le système va se remettre en route. Il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Le baclofène le bloque, le baclofène ne le détruit pas. Mais c'est peut-être faux, je ne sais pas. C'est une prescription hors AMM, on en a parlé ce matin, je vais la faire courte. Cherchez la dose, allez lentement, gardez espoir, partenariat, donnez du sens au traitement. J'ai un petit clin d'œil à Olivier, le colloque que j'avais fait à Genève s'appelait non pas chercher la dose, mais l'important c'est la dose, voilà. Alors 2 médicaments à venir, voilà, l'alcoolisme passif, j'ai beaucoup aimé. Nalmefen, qui est donc un antagoniste partiel des opiacés, proche d'un naltrexone, qui est avec des études plutôt encourageantes qui étaient publiées, mais vous voyez, hein, le médicament, il n'est pas en France, et puis les premiers papiers, c'est 94, hein, oh là là. Et puis les 2 derniers papiers... ici, là, de 2012-2013, qui ont permis l'AMM. Alors, voilà, il y a 1322 patients qui ont été inclus, suivis 6 mois. Voilà les 2 études. Alors, regardez, ça, c'est jour de consommation excessive, consommation moyenne d'alcool. Vous voyez, autant T0, il y avait, donc c'est par mois, hein, 19 jours par mois de consommation excessive, à 6 mois, 8, ça, c'est le groupe Nalmefen, N. Le groupe placebo sont passés de 20 à 11. La différence est significative parce qu'ils ont un gros échantillon. Et vous voyez, c'est 8 jours, 11 jours. Et là, c'est 84 unités par jour, 84 grammes par jour. On passe à 33, 85, on passe à 45. C'est aussi significatif. Dans la deuxième étude Nalmefen, 20, on passe à 7. Placebo, 18, 8, 93, 30, 89, 33. Et là, c'est pas significatif. Voilà, voilà où on en est avec le baclofène. Avec le Nalmefen, pardon, qui n'a rien à voir avec le baclofène, et qui
était intéressant parce que c'était la première fois que c'est un essai où les patients ne sont pas, on leur demande pas d'arrêter de boire et on prend le médicament quand on a envie de boire. Quand on sait qu'on va boire, on prend le médicament. C'est une technique qui a été développée par un Finlandais qui s'appelait Sinclair dans les années 90. Il a voulu franchiser son affaire et elle a fait flop. Les gens ne voulaient pas payer pour ça. Du coup, la franchise est tombée, c'est tombé dans le domaine public et maintenant on refait ça. Alors c'est une affaire à suivre. Je dirais que les résultats sont assez proches à Acamprosate Naltrexone en termes d'intensité, même si Acamprosate Naltrexone était plutôt sur des choses abstinences. Encore que Naltrexone, on a montré que ceux qui réussissaient bien avec Naltrexone, c'est ceux qui avaient tenté de reboire. L'oxybate de sodium, c'est le GHB, que les Italiens connaissent bien. J'aurais dû mettre que j'avais été sponsorisé par la boîte qui faisait ça en Italie, parce qu'il y a 17 ans, je suis allé à un congrès en Italie, et le soir, on avait des flyers Alcover qui étaient déjà du GHB. Les Italiens ont une très longue expérience du GHB. On l'a testé pour le sevrage et la rechute. Expérience sulfureuse en raison, réputation sulfureuse en raison de possibilités d'abus. Puis vous savez que c'est la drogue du violeur. D'ailleurs, il paraît que c'est même vrai chez les animaux. Voilà. Elle est jolie, hein. Surveillez toujours votre verre. Voilà. C'est un profil pharmacologique qui favorise l'abus parce que vous voyez, c'est très court, là. Comme chez nous, le midazolam, le dormicom, là, qui est commercialisé sous voie orale en France. Voilà. Alors, il y a une grosse publication en 2011 sur le GHB, la revue Cochrane, qui a montré que c'était probablement intéressant. Ils ont fait une étude récente qui leur a permis de demander l'AMM, mais elle n'est pas publiée, je ne peux rien vous en dire. Parce que les études qu'on a sont surtout des études courtes. La revue Cochrane dit moyen faible. J'ai presque fini. Je conclue. Voilà. Conclusion dans laquelle j'essaierai d'être aussi confédéral qu'un Helvète. Boire moins, c'est mieux. Et plus d'options pour boire moins, c'est encore mieux. Merci.